Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a séjourné dans la ville océane du samedi 20 au mardi 23 février 2021, soit 4 jours durant. Parmi les têtes d'affiches qui ont rendu son séjour de travail agréable à Pointe-Noire, se trouve le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando. Ce dernier a bien voulu faire une évaluation de l'accueil du chef de l'État dans la ville de Pointe-Noire. Souvenez-vous que le président a été reçu ici en février 2020. Déjà à cette époque, nous étions les gens dans l'exception par rapport aux réceptions que nous réservions hier au président de la République de Pointe-Noire. Nous avons, en février 2020, commencé déjà à grandir, à crever les plafonds. Et cette fois-ci, nous avons consolidé ce que nous avons eu en 2020 et nous sommes montés d'un cran. Signe que les Pointe-Noirs de plus en plus croient au président Denis Sassou Nguesso. Les Pointe-Noirs ont compris. En 2016, ils ont fait fausse route. On va considérer cela comme un accident de parcours. Et que, depuis un certain temps, il y a une prise de conscience collective des Pointe-Aux-Lès. Et ils sont revenus autour du président Denis Sassou Nguesso. C'est ce que nous voyons qui se manifeste par la liesse populaire. Vous avez vu que partout où le président est passé, il y a eu des belles foules extraordinaires. Il a également porté son regard sur les infrastructures économiques dont les chantiers ont été ouverts à travers la pose des premières pierres. Un pays a pu se développer, mais sous un leadership éclairé. Je pense que le leadership du président Sassou est un leadership éclairé qui fait que, à chaque instant de notre histoire, il pose des actes qui peuvent être considérés comme des actes indélébiles. Mais dont seule l'histoire va nous donner toute la signification. Parce que ne rentre dans l'histoire que celui qui pose des actes d'une certaine pérennité qui traverse les âges. Et je crois que le président Sassou Nguesso est cet homme qui a posé des actes au Congo qui vont traverser les âges. Et donc, ces infrastructures économiques, on va dire économiques et industrielles, que le président de la République impulse, rentre dans le cadre de sa vision pour le Congo. Vous savez que depuis un certain temps, on prône la diversification de l'économie. Et la diversification de l'économie passe par la diversification des industries, mais aussi par une énergie plus abondante pour booster le développement industriel. Ce pari a été gagné car le président de la République a reconnu le caractère exceptionnel de son accueil à Pointe-Noire. Il reste cependant le défi du 21 mars 2021.